Donc voilà les gars, victoire comme vous l'avez vu, 4-0 entre voilà, le PSG et l'OM, 4-0. Il n'y a pas eu de match comme on l'avait prévu. C'est un peu décevant quand même, c'est un peu décevant. Je m'attendais à au moins une petite résistance, au moins de l'Olympique de Marseille, mais quand même 4-0 déjà à la mi-temps. C'est devenu très 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 dur pour les Marseillais. On a un gros coup derrière la tête après déjà le premier but de Mauro Icardi, arrivé très très tôt dans le match. Après, on a vu le doublé d'Icardi et ensuite le doublé d'Mbappé du coup, qui est sorti en fin de match, remplacé par Edinson Cavani. Mais vraiment voilà, moi je suis content, je suis supporter parisien, je sais pas vous ce que ça vous fait, supporter marseillais. Après voilà, ça reste un petit classico, tu vois, on se titille un petit peu entre clubs français et entre clubs rivaux de France. Donc voilà, moi ça me fait plaisir. Du coup, victoire du PSG qui reprend 8 points. 8 points ou 7 points d'avance sur Nantes, qui a joué vendredi face à l'AS Monaco. Et ça fait vraiment plaisir. Après l'OM, dommage pour l'OM, qui aurait pu monter sur le podium. Donc voilà, un peu dommage. Les joueurs de l'OM, bof. Les joueurs de l'OM, bof. Mais ça n'a pas trop trop dû. Donc voilà. Un peu décevant les joueurs de l'OM. Après voilà, on a vu surtout les joueurs parisiens dans le match. Donc voilà. 9,3 Mbappé à la note pour Kylian Mbappé du coup. Sinon après je crois les joueurs marseillais ils sont en dessous de 7 je crois. Le meilleur joueur marseillais, je sais pas qui c'est, mais il doit être en dessous de 6. Mais du coup voilà une énorme boulette aussi hein, dans le match de Mandanda qui coûte le quatrième but. C'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage. Ben voilà, inexistant les Marseillais, Villas-Boas, ce on l'avait dit aussi en conférence de presse. Ils avaient dit que c'était pas. Voilà, c'était pas leur. Le match où ils allaient se donner. Donc voilà. Doublé d'Mbappé, doublé d'Icardi. Voilà. Victoire donc du PSG qui remonte au classement, comme je l'ai dit au début. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait vraiment vraiment plaisir. On va baisser un peu le son. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre? Il n'y a pas eu de rouge dans le match. Même si c'était un peu tendu quand même. Hein, sur certains joueurs. Comme Dagba, je crois qu'il s'était pris un carton jaune. Donc voilà, il n'y a pas eu de carton rouge. Donc il n'y a pas eu de gros gros tacles dans le match. C'est déjà un, voilà. Les Marseillais ont mal joué, les Parisiens ont mieux joué. Et on va dire, c'est mérité, hein, le PSG a mis son jeu en place pour aller s'imposer du coup hein, devant les supporters au Parc des Princes, devant les ultras, devant tout le public, et ça fait extrêmement plaisir les gars. Une victoire, je pense, qui va nous faire du bien encore une fois. Elle va encore nous engranger au niveau de la confiance. Et ça fait vraiment du bien parce qu'on peut enfin sentir un PSG capable, peut-être d'aller titiller les plus grands d'Europe. C'est ce que rêvent depuis une dizaine d'années maintenant les Parisiens. Mais je suis sûr qu'on va le faire. Je suis sûr qu'on va le faire. C'est une grosse victoire ce soir. Elle fait plaisir. Elle va nous remettre encore plus haut au niveau de la confiance, au niveau des supporters. Donc voilà, aussi un peu de temps de jeu pour Cavani du coup dans le match. Ça va lui faire également du bien. Et vraiment voilà, Mbappé, Icardi, c'est peut-être le duo qui manquait au Paris Saint-Germain ces dernières années. On l'a peut-être trouvé. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc voilà les gars, petit débrief du coup rapide. J'espère que ça vous aura plu. Puis voilà. Je vous demande pas de like, voilà, c'est juste un petit débrief pour parler entre nous. Voilà, un OM un peu médiocre.
ce soir. Donc voilà, un PSG qui a tout réussi ce soir, qui a réussi son jeu au niveau des tirs. Vraiment, je crois qu'il doit être à 12-13 tirs dans le match. Ils les ont quasiment tous cadrés. Donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Bon, les Marseillais, par contre, eux, ont tout raté. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que je m'attendais à un OM un peu plus fracassant hein, au niveau de l'attaque. Avec du Dario Benedetto, du Payet. Et bon. C'est le classico. Du coup, voilà les gars, moi je vais vous laisser.